Deuxième vidéo pour montrer comment charger les lettres à Madame la Baronne de Neufpont par la Comtesse de la Rivière sur Wikisource. À la première étape, on avait déjà chargé le fichier sur Wikimedia Commons, la bibliothèque multimédia de Wikipédia. Et donc, on va retourner au diaporama pour voir la deuxième étape. Ça va être de modifier les métadonnées dans Wikimedia Commons en s'inspirant d'un autre fichier qui est déjà utilisé dans la Wikisource francophone. Et donc, parmi nos contributions, on a plusieurs fichiers qu'on a déjà utilisés sur la Wikisource francophone. Par exemple, cet ouvrage de Marie Curie. Et vous voyez qu'il présente en effet des métadonnées relatives aux ouvrages et surtout ce fameux lien vers Wikisource que l'on voudrait reproduire sur l'autre page, sur la page de l'autre ouvrage. Alors, on clique sur Modifier. Et puis on va récupérer ce qu'il faut. Alors ça c'est aussi déjà décrit dans le diaporama. Si on va à l'étape 2, voilà. En cliquant sur modifier, on arrive à ce modèle book qui est mis en avant ici. Le modèle book qu'on a là. Bah, en fait ce que je vais faire, je vais sélectionner l'intégralité du contenu. Je le copie et je vais modifier ici le contenu. Je vais garder ces différents éléments. Et je vais coller ce que je viens de copier juste avant. Alors, ici je remarque que j'ai InFileDesk et là au-dessus aussi. Donc je vais garder une seule de ces deux sections InFileDesk. Je vais garder celle-ci qui contient le modèle book. Et là, je vais devoir remplacer par les bonnes informations. Donc, comme j'avais déjà récupéré quelques informations, ça je le supprime, mais ça. Je vais le copier en haut pour pouvoir reprendre, par exemple, Comtesse de la Rivière, reprendre la date 1777, le titre, que je vais donc indiquer ici. Là, attention, j'en supprime bien toutes les informations qui ne sont plus valides. Alors, pour certaines, il va falloir que j'aille vérifier directement dans l'ouvrage sur Google Books. Là, je dois remonter à propos de ce livre pour trouver quelques informations. Alors là, je vois sur la page d'accueil, alors je vais y retourner en fait, sur cette page de titre, pardon, nous avons le lieu de publication Paris chez Froulay. Donc, le publisher, ça va être Froulay. Et le lieu, c'est bien City Paris. Ok. La description, il va falloir que j'utilise celle-là ou que j'adapte celle qui est présente. Ah, alors là, vous voyez par exemple dans la description, il est indiqué d'où venait l'ouvrage. Alors peut-être pour la description en français. On va mettre une formulation similaire. Alors, pour savoir où est conservé l'ouvrage, on va revenir à Google Books et c'est là que, à propos de ce livre, nous permet d'accéder tout en bas, voilà, à cette bibliothèque. Ça doit être cantonal et universitaire, mais vérifions ça. Est-ce que ça existe effectivement? Très bien. On va coller l'information ici. Et puis on va peut-être essayer de trouver un équivalent en anglais. En allant chercher dans Wikipédia le nom de la bibliothèque. Voilà, ça nous permet de mettre ce nom en deux langues, enfin la description en deux langues finalement, à la fois en anglais et en français. Alors, ici la source. Alors justement, on voit qu'il y a un code qui est utilisé, un modèle GBS. Google Books qui permet de préciser quel est l'identifiant du livre sur Google Books.
Cet identifiant, on le trouve dans l'URL de l'ouvrage qui se trouve ici après ID égale. Donc je copie juste ce passage-là. Image page, ça va être le numéro de page de l'image. J'y retourne pour voir à quelle page se trouve l'image qu'on va utiliser comme image de titre. Alors, combien y a-t-il de pages auparavant? On va compter une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est la septième page. Bah, c'était déjà le cas pour l'autre ouvrage. Other versions, on va supprimer tous ces. C'était des images extraites de l'autre ouvrage. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on peut s'arrêter là. Voilà, et donc on peut supprimer toutes ces informations qui sont redondantes avec ce qu'on a désormais dans le model book. Ici, je dois aussi m'adapter. Je vais garder les catégories que j'avais mises initialement, et donc supprimer les catégories relatives à l'ouvrage de Marie Curie. Alors, sauf que oui, je vois que je pourrais rajouter cette catégorie-là en l'adaptant. Bien, je la colle ici, voilà, ISO 777, Books PDF Files, puisque nous avons chargé l'ouvrage au format PDF. Eh bien, on peut faire une prévisualisation pour vérifier si tout a l'air d'être bien entré. Voilà, j'ai bien la page de titre qui s'affiche. La source sur Google Books que je peux vérifier en cliquant dessus, visiblement, c'est bon. Et donc, je vais pouvoir publier les modifications en précisant par exemple que j'ai ajouté le modèle Books. Et désormais, j'ai le petit logo de Wikisource qui apparaît ici, mais nous ferons ça dans une troisième vidéo, l'import vraiment sur la bibliothèque Wikisource.